Vous allez tous devoir enfiler, le plus rapidement possible, votre salopette bleue, votre casquette rouge et votre moustache. Les cinq plus rapides vont à l'épreuve d'après. C'est parti! C'est où Guillaume? Non, Guillaume, la moustache tient pas. La salopette est mal mise. J'avais un peu le temps. Allez, terminé, il reste une place. Il ne tient pas, ce bordel. Delphine, Raymond, Gilles et Castaldi, c'est bon. Voilà. Il en manque un. Et Guillaume, c'est bon. Guillaume, c'est bon aussi. Les autres éliminés. Bah, venez là. Non, Raymond, bah gardez-les, on va continuer. Mais non, il y a la deuxième épreuve, bande de Rval. Deuxième épreuve, vous êtes maintenant 5. Il va falloir lancer les pots de banane dans le tuyau. Les deux premiers. C'est quoi? Excusez-moi, c'est quoi le jeu là? C'est dans le seau. C'est quoi le jeu? Alors, donc on va devoir lancer les pots de banane dans le seau, si j'ai bien compris. Ouais. Les mecs, excusez-moi, tu peux m'expliquer le jeu là parce que. Je suis pas là pour ça. Et pour... Non mais tu peux m'expliquer le jeu s'il te plaît? Non mais sans. Oui mais pourquoi y a pas de marque? Tu te fous de ma gueule? Non, c'est comme ça. J'ai enlevé sinon la chaussure. Attends. Voilà, merci. Bon, vous allez devoir mettre les pots de banane dans la poubelle. D'accord. Attention, mettez-vous là. Eh, on y arrive. Impossible. En tout cas, ça te va très bien, toi, cette tenue. Les deux premiers qui arrivent à mettre une peau de banane dans le seau vont au final. Ok. Attention, c'est parti. Vas-y. Chacun son tour, tu mords, chacun votre tour. Castaldi, c'est pas. Pour l'instant, non. Delphine, tu mords. Tu mords. Excusez-moi, on est obligé, cette musique est insupportable. Ouais, je sais, mais c'est insupportable. Allez, vas-y. Mais toi, ça te va hyper bien, on dirait un vrai gars. Merde, presque. Gilles, salut. Très beau. Gilles, c'est bon. Attention, Casta, on reprend. Il en manque un. Gilles, c'est bon, t'es qualifié, mon chéri. Non, Castin. Castin, trop court, comme d'habitude. Oh, elle est belle. Delphine, c'est bon. Attendez. T'as la pression. Non. Ça se joue entre Delphine et Raymond, parce qu'ils l'ont mis dans le même tour. Et non pas de même tour, pour ceux qui font le ramadan. Merci. Attention, c'est parti. Tu mords. Attention. À ma carotte. La finale oppose donc Delphine Vespizer et Gilles Verret. Attention, on va faire la finale un Mario Kart avec les téléphones. Vous connaissez la règle du jeu, on joue en deux points gagnants. Si le téléphone tombe, c'est perdu. C'est bien sûr le plus près du bord qui gagne la manche. Je voudrais. Est-ce qu'on peut avoir des téléphones, s'il vous plaît? Il est où? Mais il est parti, lui. Non, mais excuse-moi. Je fais toujours partie de l'émission? Non, mais dis-le moi, sinon. Hein. Alors, mettez-vous là-bas. Alors, attention, ça, c'est pour marquer les téléphones. Non, franchement, c'est quoi ça? C'est normal, ça. Non, c'est n'importe quoi. Non, mais franchement, c'est normal, ça. Non, mais sans déconner. Non, mais oh, tu sais. Hey, oh, c'est Hanouna, là, qui te parle. Oh. Non mais sans charrier, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Je suis à deux doigts de partir sur W9 aussi. Hein. Je te le dis, ça te pend au cul, hein, je te le dis. Bon, les gars, c'est très simple, il faut lancer le téléphone. Il faut être le plus près du bord. Si le téléphone tombe, c'est éliminé. C'est en deux points gagnants. Le grand gagnant, je vous dis la vérité, Gilles Verdez jouera pour cette partie du public, qui gagnera un cadeau. Delphine Vespizer jouera pour cette partie du public.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez pas ce que c'est que le cadeau. Delphine, étant donné que tu es une dame, c'est toi qui vas choisir. Est-ce que tu choisis de commencer ou de laisser Gilles commencer? Je choisis de laisser Gilles commencer. Merci. Bravo. Gilles, tu commences. Bravo. Attention Gilles, vas-y. Pense à Fatou. Ah, faut pas que ça tombe dans le précipice. Bah ouais, allez Gilles. Allez Gilles. C'est bien parti. Merci. Là, assistant Montiel Castaldi, s'il vous plaît. Assistant Montiel Castaldi. Allez, oh, merci. Tiens. Attention, c'est en deux points. Assistant Montiel Castaldi, restez près de moi. On reste près. Deux légendes de la télévision. Ouais. Attention, vas-y, Delphine. Grandeur et différence. Ah non. Non, non. Premier point. Un point pour Gilles. Attends, deux points. Premier point pour Gilles. Attention. Ah. On sait rien, c'est ma mère. Non, non, c'est Delphine maintenant qui démarre. Ah, pardon. Merci. En tout cas, ça te va hyper bien, toi. Ouais, c'est vrai. Dirait... Ouais. Bon. 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 C'est fini, c'est Gilles qui a gagné. Attendez. Oh. Attendez. Non, c'est un poil chacun. J'ai envie de vous proposer un deal avec le public. Toute cette partie-là a perdu. Mais je demande à cette partie. On peut faire un jeu. Ah. Un dernier deal. Est-ce que vous êtes, comme on dit, altruiste? Al, qui vient du latin, Al Pacino. Truiste, qui vient de la truie. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes, voilà, est-ce que vous êtes en, voilà, avenant avec les truies. La truie, c'est moi. Les chéris, j'ai un deal à vous faire. Vous allez le faire à main levée. On peut refaire une série entre moi et Gilles. Si bah, c'est coup, Gilles qui gagne, oui, hein. Tout le monde perd. Hein? Tout le monde perd. Bah oui, bah regardez sa gueule. Sympa. Si je gagne, je fais gagner tout le public. Mais cette partie-là peut dire non, les gars, nous on a notre cadeau, quoi qu'il arrive, on s'en fout de vous. Ah oui. Ouais. C'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Le cadeau, il arrive dans un instant. Parce que faut qu'il sache. Donne... C'est quoi? Faut qu'il sache. C'est une journée dans un parc aquatique. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Alors, non, est-ce que vous dites on garde notre cadeau? Qui est pour faire le défi? Le deal. Oh, bah, c'est bravo. Bravo. Ouais, bravo, bravo, public. Bravo. Bravo. Belle mentalité. Alors, je vous le dis, il y a une dizaine d'égoïstes. Mais c'est... Et il y en a trois qui n'ont rien capté. C'est il y en a trois, ils me regardent, sont comme... Franchement, c'est fort. Comme quand t'es à l'école, tu sais pas ce qu'elle dit la prof. Tu dis, ils sont comme quel défi. Ils viennent de construire un parc aquatique à Punta Cana, c'est attention. C'est vraiment courageux. Gilles Verdez. Honneur aux dames, tu démarres. En deux points. Si je gagne, en deux points. Il faut m'en vouloir alors. Bah oui, non, mais t'es obligé de gagner. Normal. Si tu gagnes, par contre, j'ai un super cadeau pour toi et Fatou. Ah. Non mais sans rigoler. Non, mais arrête de faire ton mytho. Un avocat. Joue et pense à toi. Un conseiller matrimonial. Pense à Fatou. Ne les concentrez pas, attention. Pense à Fatou dans un parc aquatique. C'est compliqué là. À quoi? Ah là, j'ai une vision de rêve. Si Gilles Verdez gagne, personne ne gagne. Bon, entrez. Hein, vous allez dans votre baignoire, vous me faites pas chier. Hein, ça c'est clair. Hein, vous prenez un bain, vous gonflez pas les noisettes et puis c'est bon. En revanche, si je gagne, tout le monde part au parc aquatique. En deux points. En deux points. Faut prendre ce téléphone, le lancer, qui arrive le plus proche du bord sans tomber. Celui qui tombe est éliminé. Celui qui est éliminé, bien sûr, sera jeté au lion. C'est très simple. C'est en deux points. Gilles Verdez est le tenant du titre. Et Dieu sait que l'élégance, merci, fait partie de ta personne. Attribut. Bravo. Bravo à toi. Tout lui va. Quand on est aussi élégant, tu veux que je te dise, je vais te dire, toi, tu sens le cul. Mais, au sens propre. Au sens premier du terme. Allez, c'est parti. Vas-y, mon chéri. Ah, on y va. De douche aujourd'hui. C'est parti. Hein. Allez, vas-y. Oh, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? Nul.
C'est nul. C'est quoi, la partie basse ou la partie haute? C'est pas terrible. C'est comme dans un zizi, c'est la partie haute. Tout simplement. La spécialiste, c'est Valérie, là. Tu fais pas. Enlevez le jaune, là. Il me dérange. Et enlevez la meuf de W9. Elle me dérange aussi. Ça me dérange. Allez. Tu peux enlever le truc. Non, je dois le rattraper en cas de chute. Non, t'emmerdes pas, c'est pas à moi. Ah ouais. Il faut les deux légendes. Il faut les deux légendes. On est fini, assistant. Oh là là. Oh là là. Il glisse pas du tout. Il a craché dessus. Il a craché dessus. C'est ta faute. T'as craché dessus. Il a craché dessus. J'en ai rien à foutre. Il y a un fils de forme. Il est à Il est à toi. Viens ici. Tu seras fouetté. Il est à toi. C'est du sabotage. C'est du sabotage. J'ai envie de prendre aussi dans le cul. Vous lui offrir un nouveau téléphone. Alex, y aille. Vas-y. Maintenant, je le saurai. Je saurai que t'es contre moi. Vas-y. Lui offrir un téléphone qui glisse. T'as raison. Mais j'ai compris maintenant. Non, c'est fini, c'est deuxième point. Deuxième point. T'as rien compris, toi. Ouais. Téléphone de merde. Est-ce que vous faites pas tous les deux un entraînement déjà? Pourquoi vous ferez pas un entraînement tous les deux? Vous le mettez comme ça. Ça fait un point. Zéro. Il a un point. Il a un point. Je suis à la foutre, son pire des cas, le public perd, il perd. Je ne connais pas ces gens. Le mec craque. Le mauvais joueur. Si elle vous convient pas, on peut remettre à zéro. Hein. Oh, mais ça va pas non, ou non, quoi non, 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 non. Alors, les mecs, les gars, moi, je vous dis la vérité. Moi, je pense qu'il faut. Je trouve que là, c'est honteux, frère. Ouais. J'ai pas joué. T'as, mais t'as vu ça? C'est pas on dirait frère. Qu'il l'a mis dans son yonf. Allez. Vas-y, allez, vas-y, Gilles. Colle à la table. Refais-le. Mais pourquoi tu me prends de ce côté? J'ai pas le droit de choisir mon côté. Mais bon, c'est pour toi que je dis ça. J'en ai à foutre, moi j'ai ma vie. Hein. Tu sais, moi j'ai ma vie des parcs aquatiques, j'en ai déjà vu. Hein. Donc, tu l'as acheté. J'en ai à foutre. Attends, Gilles. Allez, Gilles. Il y a un jacuzzi chez mon voisin. Attends. À la grande motte. Il est fort. Hein. Ah, ouais. 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 Pas mal. Pas mal. Pas mal. Oh. En diagonale. Non, mais. Je vais prendre le côté rouge. Ouais, mais ça glisse. Ça glisse bien. Dieu du smartphone, donne-moi la force. Eric Son. Samsung. Moto. Rola. Oui, c'est incroyable. Ta copine, elle est trop contente. Ah ouais. Non, t'as gêné. Pourquoi t'as mis ta barre? Il allait s'arrêter. Mets-toi tes affaires. Mais ça veut dire quoi, ça? Ah ouais. Non, mais il est à qui, ce téléphone, bordel? Arrête, c'est ça. C'est une fumisterie. Bon, t'as un point. Ah, vas-y. Ouais. Ah oui. Va bah, tarder à me faire chier, toi. Hein. Oui. Vas-y. Non, mais je le sens pas, ce téléphone. Non, mais si vous aimez pas, pourquoi vous prenez pas le prendre le mien, je prends le mien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avec votre matériel. Si vous êtes défavorisé, c'est bon, on remet tout à zéro. On commence à zéro ou pas? Non, alors, on recommence tout zéro, je prends. Est-ce que Gilles, il n'aura pas moins un? Vas-y. Non, mais fais gaffe. Ouais. Hein. Vas-y. On banque ses yeux et on banque ses mains. Comme vous voulez. Démarre. Allez, vas-y. Je suis à votre disposition. Attends, d'aime faire chier. Ouais. Ah, c'est moins bon là. C'est moins bon. Deuxième fois. S'il vous plaît, merci. Mais vous étiez pas blessé, ça vous gêne pas la cheville hein? Si, un peu. Ouais. Non, mais là, j'ai mon téléphone. C'est, bon. C'est le point d'appui. Ouais. Ouais. Il se balade. Non. Ouais, non. Moi, il y a un partout. Ouais. T'as vu? C'est un partout. Il y a un partout. Non. Là, je vais redonner son point de tout à l'heure. Oui. Allez, c'est bon, il y a un partout. On le fait maintenant. C'est bien. Maintenant que ça joue. Chacun son matériel. Fais gaffe à ton cul. Allez, vous jouez. Tu perds ton slip. Vas-y. Concentre-toi. Précipite pas. Roule pas là. Du cul, la route est droite. Précipite. Hey, moi qui paye l'essence. Pas du cul, c'est moi qui paye l'essence. Quand vous ne parlez pas de Fatou. Attends. Hey. Il y a Fatou en slip au Franprix.
Il y a Fatou en Burlington chez Mammouth. Et il y a Fatou chez Jardiland. Oh non, oh là là, je vais faire un truc, je ne fais jamais, t'as le droit de le refaire. Allez, bah ouais. Ah bon, ouais, bravo, bravo. C'est trop dur, ouais. Tout et tout. Il me fait de la compagnie avec le bras. Attention, hé. J'ai vu pitié. Pas du tout. J'ai vu Fatou chez Saint-Maclou. C'est pas mal. Allez, Gilou. Ouais, pas mal. Moyen. Ouais, mais il glisse pas le tien. Non, c'est pas mal. C'est maintenant que ça joue. Bah oui, moyen. Celui de Cyril. Je veux dire un truc qui me traverse la tête. Moyen. Et je veux dire la vérité, et je voudrais que le public comprenne la personne que je suis. Ce parc aquatique, qui va le payer? C'est vrai. C'est Hanouna, ouais. C'est pas W9 qui va faire un chèque. Donc là, je pourrais très bien me dire non, je vais faire exprès de perdre. Moi, comme ça, je garde l'oseille pour moi, j'envoie mes enfants à Punta Cana, terminé. Hein, la messe est dite. Mais ça, c'est... Mais Hanouna, il est... c'est pas comme pas ça. Le genre c'est pas de la maison, ça. Non, oh que non. Je vais me battre jusqu'au bout, malgré ma blessure à la cheville. Ah oui, ça se m'empêche voit. Fortement de lancer. Bah, bien ça se voit, ça se voit. Bah, oui, puisque... Dans les appuis. Dans appui, ouais, bah ouais. C'est un demi-baba. Alors, les gars, je suis désolé, j'ai perdu. Tout le public a perdu. Oh bah oui. Ah bah c'est comme ça. Oh non, gars, c'est comme il ça. A mis la main. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Le public a perdu. C'est terminé. Les gars, il bah, y a peut-être un vice de force. Vous pouvez vous en prendre. Non. Vous pouvez vous en prendre qu'à une seule personne, c'est Gilles Vernet. Quelle horreur.